Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, c'est le printemps. On voit des ruches. T'imagines que c'est bucolique. Les abeilles butinent les fleurs qui sont dans les arbres, etc. Et en fait, non. Ce que vous voyez là, c'est un cimetière. C'est des tombes. C'est 5 ruches. Elles étaient pleines de vie en octobre. Et quand je dis pleines de vie, c'était vraiment pleines de vie. Elles grouillaient, elles m'ont fait du miel. Je vais vous montrer, elles sont pleines de miel à l'intérieur. C'est pas normal qu'elles soient toutes mortes. C'est un massacre. C'est un massacre. Je suis ému. Ces abeilles, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, quoi. Je suis très sensible. Je fais tout ce que je peux pour qu'elles soient bien. Les traitements, etc. Que j'en perde une, que j'en perde deux, pourquoi pas. Que j'en perde 5 sur 7, ça n'est pas normal. Je connais plein d'apiculteurs autour de moi qui ont les mêmes conséquences. Certains ont perdu 90% de leur production. D'autres ont perdu 40 ruches sur 100. D'autres en ont perdu 19 sur 21. Un copain qui en a perdu 6 sur 7. Mais c'est juste pas possible. On peut pas continuer comme ça. Ça n'a jamais été aussi pire que cette année. Alors je comprends pas ce qui se passe, moi, au niveau du ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, au niveau du Parlement européen, au niveau des parlementaires. Mais arrêtez de prendre des décisions en demi-teinte. C'est pas possible. On est là, oui, peut-être, non, peut-être, je sais pas. Ça fait crever tout. L'environnement est en train de crever, l'environnement est en train de mourir. Les cours d'eau sont pleins de cette putain de merde de pesticides. Mes ruches sont pleines de pesticides. Les abeilles crèvent. Il n'y a pas que celle-ci, il y a toutes, ça veut dire tous les autres, les bourdons, les abeilles sauvages, tout est en train de crever à cause de votre merde. Et si ça les fait crever nous, ça nous fera crever nous aussi, quoi. Prenez-en conscience, c'est pas possible, ça se retrouve dans notre bouffe, tout ça. Regardez ce qu'il y a un peu dans cette ruche, regardez cette ruche qui est en pleine forme. Regardez, me dites pas que mes abeilles sont mortes de faim. Regardez, regardez ça. Tout ça, c'est du miel. Tout ça, c'est du miel. Tout ça, c'est du miel. Regardez un peu la suite, regardez la suite, regardez. Tout ça c'est du miel, ça c'est du miel. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur, des cadavres d'abeilles pourries. Me dites pas qu'elles sont mortes de faim, regardez, elles sont... tout ça c'est du miel, c'est gavé de miel. Elles auraient pu passer 2 hivers s'il le fallait. Elles ont été intoxiquées par quelque chose. Regardez, regardez la suite, je peux vous décoller toute la suite de la ruche. Regardez tout ce beau miel, regardez comme les cadres sont impeccables. Il n'y avait pas de maladie là-dedans, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas... Regardez, regardez la suite, les cadres sont magnifiques. Elles ont bâti récemment, on sent que la ruche était saine, qu'elle était en forme, qu'il n'y avait pas de problème. Regardez, regardez, regardez tout ce miel. Tout ça, c'est les alvéoles pleines de miel. Tout ça, c'est du miel. Tout ça, c'était des réserves pour l'hiver. Elles auraient dû être à bloc ce printemps. Regardez ce qu'on trouve encore dedans, voilà. Et on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Voilà ce qu'on trouve sur une ruche, il devait peut-être contenir 20 000 abeilles. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies. Ces abeilles sont sorties trop tard. Pour butiner, parce que c'est à cause du réchauffement climatique, les couverts végétaux sur les champs, tout ce qui est navette, tout ce qui est colza, tout ce qui est etc., ne devraient pas fleurir, ils fleurissent. Les abeilles sortent tard, elles butinent des fleurs qui sont cultivées sur des champs, ont été aspergés de néonicotinoïdes. Ces produits ont une rémanence d'au moins 3 ans dans le sol. C'est-à-dire que le sol en est aspergé, une plante pousse. Comme c'est les produits systémiques, ça va dans la plante. Le pollen, la sève, le nectar, tout est contaminé par ces merdes-là. Et mes abeilles les butinent et après ça, elles perdent le sens de l'orientation, elles ne retrouvent pas le chemin de la ruche. Voilà comment ça se passe. Voilà. Voilà, alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins, et tout ça c'est en train de crever, et moi j'en ai marre, faites quelque chose, s'il vous plaît.